Casque, harnais, protection, les bangers sont en piste. Le speedway de Warneton, 30 ans de course automobile, ici les bangers, on maîtrise. Tout est permis sauf rouler en sens inverse et évidemment rouler volontairement dans la portière du chauffeur. Et donc le but c'est, aujourd'hui on va avoir une quarantaine de voitures, c'est une course de vitesse, mais tout est permis, on peut virer le pilote qui roule devant vous, on peut le mettre dans le mur, donc full contact. D'ailleurs, quand les 430 mètres d'asphalte se transforment en champ de bataille, les spectateurs en redemandent. Ce qui me plaît le plus ici, c'est les big bangers, quoi. Pour le reste, c'est bien, mais bon, c'est pas top. Ça plaît aux enfants, surtout à mon fils qui aime bien les voitures, donc tout ce qui se casse et tout, ça lui plaît. Mais pas de bangers sans pilote. Les accros de l'adrénaline se pressent de toute l'Europe pour leur dose de sensations fortes. J'aime bien taper une voiture, en fait. Les retourner. Avant, je roulais en l'autre catégorie, on pouvait pas pousser et je m'ennuyais. Et là, c'est montée d'adrénaline, on va dire. Pour doubler, on peut retourner l'adversaire qui est devant nous. Pour prendre sa place. Et donc, les voitures plient assez vite, il y a des carambolages assez souvent. Que les amateurs de course automobile plus classiques se rassurent, l'Oval de Warneton accueille également des bolides prestigieux comme les NASCAR, de belles américaines qui ont peu de chances de finir dans cet état.